À Bruxelles, la culture francophone continue. Il s'appelle Guillaume Botadi et il expose en ce moment. Oui, tout à fait. C'est un plasticien français qui s'est fait connaître dans le monde entier pour ses œuvres monumentales. Guillaume Botadi voit grand, très grand. Ses œuvres peuvent atteindre les 900 mètres carrés. Il peut vraiment se lâcher. Il en a déjà réalisé une quarantaine dans le monde. Il peint aussi des tableaux aux dimensions plus modestes. Et pour la première fois, une exposition permet de confronter ces deux types de peinture, de voir les synergies, les correspondances. Cette exposition personnelle se tient à la galerie Artiscope de Bruxelles. On peut y admirer des peintures à l'huile, du plâtre fin, des encres sur toile et tissu, comme vous voyez ici. On peut aussi mieux comprendre comment il réalise ses œuvres monumentales. Pour lui, l'art doit aller au public. Voilà pourquoi, vers le public, voilà pourquoi il a choisi de réaliser des œuvres monumentales. Écoutez-le. J'ai réalisé la plus grande peinture du Japon au Musée international d'art Miyanomori. Et c'était aussi l'occasion, après le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011, de montrer que le Japon avait encore des initiatives à prendre et des choses à raconter. Ça a été un très grand succès, un message d'espoir pour les Japonais. La couleur permet aussi de jouer avec les formes et permet de transformer certains sites. Voilà, c'était Demander le programme. Merci à vous, Estelle. Merci.